chaud, c'est les vacances. Faites-nous voyager en commentaire, indiquez-nous le lieu de vos vacances. Bon, on va se baigner, nous. Mais maman, on a du taf là. Ah, c'était juste pour savoir si tu suivais. Découvrons ensemble la recette du jour avec le lieu de mercredi. Pour la pâte sablée, il faudra 125 g de sucre en poudre, 10 g de sucre vanillé, un œuf plus un battu, une pincée de sel, 250 g de farine et 125 g de beurre. Pour la garniture, il faudra 2 citrons non traités, 4 œufs, 180 g de sucre en poudre, 150 g de crème fraîche épaisse. Je commence par la préparation de ma pâte. Dans le bol, je mets le sucre en poudre, le sucre vanillé, l'œuf et le sel. Je mélange 30 secondes vitesse 4. J'ajoute la farine et le beurre et je programme 2 minutes en mode pétrin. Je transvase la pâte sur une feuille de film alimentaire. Je l'enveloppe et la réserve 30 minutes au frigo. Pendant ce temps, je râpe le zeste des citrons et je les presse pour en recueillir le jus. Dans le bol, je fouette les œufs avec le sucre jusqu'à blanchissement. J'incorpore la crème fraîche, les zestes et le jus de citron. Je fouette encore et je réserve au frigo. Je prépare ma pâte pour une cuisson à blanc. J'étale dans un moule à tarte beurrée en recouvrant bien les bords. Je presse les bords avec le dos d'un ustensile, comme par exemple une fourchette. Je pique le fond de tarte à l'aide de la fourchette. Je place du papier cuisson et dépose des billes de céramique. Ça part au four 15 minutes à 190 degrés. Je peux également utiliser des haricots secs, il faut simplement du poids pour éviter que la pâte gonfle. J'ôte les billes et le papier et je badigeonne d'œufs battus pour imperméabiliser la pâte. Et ça retourne au four, 5 minutes à 190 degrés. Lorsque ma pâte a tiédi, j'y verse la préparation au citron. Direction le four, 30 à 40 minutes, cette fois à 150 degrés. Délicieuse tarte à partager. L'occasion pour nous de vous présenter une nouvelle recette, mais également de partager avec vous la recette de la pâte brisée. Sans oublier la méthode d'une cuisson à blanc. Nous sommes ravis de vous retrouver chaque semaine. Avant de partir, n'oubliez pas de... vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.